Bonsoir à tous fidèles abonnés. Rejoignez notre service. Nous portons une deuxième vidéo pour nous concernant le voyage Nicaragua. Et dans la précédente vidéo, nous avons toutes les démarches pour nous faire lorsque nous avons les mêmes de gagner un visa Équateur normal, comment nous pouvons voyager. Et la précédente vidéo, ça, nous avons parlé de monde qui est légal en République Dominicaine. Nous dit légal, c'est-à-dire que monde qui a un visa pour expirer ou bien permis de travail temporaire qui peut expirer ou qui peut expirer ou qui peut renouveler le barol. Le ça a un avantage, il est capable de faire aller-retour sous la République Dominicaine. Mais les gens qui ont un visa transit Colombie ou bien visa Équateur, visa expiré, ou bien sont entrés, malheureusement, on n'est pas capable de faire bien retour sous la République Dominicaine parce que visa expiré. Mais lorsque nous dit que bah, ça arrive, on fait une connexion billet. C'est une connexion billet ça que vous pouvez dépenser comme dans le billet. Vous pouvez faire une connexion billet pour retourner par Haïti. Et la vie nous appelle comme. On prend une connexion billet de Santo Domingo à Bogota. Bogota, Salvador. Salvador, Nicaragua. Après ça, vous prenez Nicaragua à Bogota. Vous prenez Nicaragua à Bogota, vous faites escale Salvador pour l'entrée Bogota. Et de Bogota, vous avez une connexion qui vous donne la possibilité pour rentrer à Haïti. Pour capable voyager dans la possibilité, ça, je vous dis, entre visa Transit Colombie ou bien visa Équateur. Donc là, on a parlé pour les gens qui gagnent. Qui est encore légal sur le territoire République Dominicaine. Dans une prochaine vidéo, je vais avec connexion billet. Là, mon nom comme si visa qui est expiré ou bien permis de travail temporaire est expiré. Là, je vais avec ça qui est plus simple pour les gens qui gagnent visa ou bien permis de travail temporaire qui valide toujours. Là, je vais garder connexion billet à nous. C'est SDQ BOG le 20 septembre. BOG SAL le 20, même le 21. SAL MGA, même le 20 septembre. Et puis, nous avons MGA BOG le 26-09, qui c'est septembre, et BOG SDQ, même le 26 septembre. Donc, ça, ce sont des sigles. Vous voyez, l'autre dit SDQ, c'est Santo Domingo Airport Las Americas, BOG, qui c'est Bogota. Là, nous avons Bogota Salvador le 20, c'est-à-dire Santo Domingo Bogota le 20, Bogota Salvador le 20, Salvador Managua le 20. Managua, Bogota le 26 et Bogota, Santo Domingo le 26. Là, je parle pour les gens qui sont encore légal en République Dominicaine avec visa dominicain, bien que au minimum, et permis de travail temporaire. Je vais regarder là, nous allons faire recherche là. Tout ça que nous avons avec COPA additionnel là d'ailleurs, pas bon, connexion ça pas bon, parce que depuis que COPA, ou déjà ouais visa transit en amas. Nous pouvons regarder pour nous, monsieur, dame, connexion. Là, nous avons Arajet plus Avianca plus Copa. Ça va pas bon pour nous. Nous pouvons regarder deuxième connexion bien. Arajet Avianca plus Copa. Il va bon pour nous toujours. Là, nous avons Arajet Avianca plus Copa. Il va bon toujours. La raison qui fait le pas bon, c'est parce que avec Copa, il faut qu'on gagne un visa transit Panama. N'a pas continué. Tout autant que n'a pas une copa, il n'est pas bon pour nous. N'a pas gardé pour nous, nous voilà toujours. On peut aller. Là, nous venons Arajet plus Avianca. Là, deux lignes Avianca, ça va bon pour nous dans la connexion. Nous allons entrer dans la donne pour nous. Ouais, là, nous venons vol 1 qui c'est Arajet. Vous menez Bogota et la fête à 5h46 du matin et vous arrivez à Bogota à 7h20 du matin. Et à 12h45, vous prenez un vol de Bogota, vous arrivez à Salvador à 2h45. Et dans le même 20 ça, vous avez un vol à Avianca, même à Avianca ça encore pour Salvador pour un travail et Nicaragua. Vous arrivez à Nicaragua à 10h50 PM. Et là, ça, vous avez besoin de et réservation d'hôtel qui confirmé. Après ça, pour le 26, on va jouer un retour. On va dire c'est
MGA, qui c'est Managua, Escal Salvador, entre Colombie. Et puis de Colombie, avec Arajet, pour entrer direct Nogadela, pour entrer direct République Dominicaine. Donc, là, c'est un bien, bien, et connexion bien faite. Et ça fait m'a dit non, c'est pas tout le monde qui a dit qu'il y a une agence pour nous courir à l'apporter comme bail. Il y a un néglect pas même comme qui j'ai pour faire une connexion bien. Il y a des gens qui m'ont montré son connexion bien là, montrer nous comment on fait. Et pas de YouTube qui est dans le domaine agence qui va venir avec ça là pour venir montrer nous. Mais moi-même, venir me partager ensemble avec nous comme si de rien n'était. Mais pour nous encourager tout, pour nous capables toujours chercher pour nous, il faut que nous like vidéo, il faut que nous partager vidéo. Ok? La gueule dans tout groupe WhatsApp, Facebook et TikTok, vous voyez, faut nous partager vidéo. Si que nous pas encourager notre travail que m'a fait, m'va porter pour nous comme ça encore. OK, m'va porter pour nous comme ça encore parce que c'est pas tout le monde qui a des connaissances là, connaissance de ça m'a montré nous là qui vient partager ensemble parce que faut le faire la faire quoi avec lui. Vous voyez, la faire quoi avec lui. Donc m'a non, j'ai deux prochaines vidéos à porter pour nous. Pour montrer nos connexions billets. Et là, mon nom a un visa expiré avec son entrée. Pour être capable de faire retour là, soit Haïti, ni pour Équateur, ni pour Colombie. Nous souhaitons nous passer bonne nuit et sous la protection divine. Que bon Dieu bénisse et protège nous. Ciao, à la prochaine.